Là, je vais faire un truc de fou pour vous. Là, pour toi, là, je vais faire un truc de malade. Je vais faire un truc de malade, mais je vais le faire pourquoi? Parce que premièrement, j'en ai envie. Et deuxièmement, parce que je t'ai dit que j'allais t'aider. Donc, je vais faire un truc de ouf. Donc là, j'ai téléchargé une application. Une application qui s'appelle Foot Amateur. FFF, je vous la montre ici. D'ailleurs, je vais enregistrer mon écran, capture d'écran vidéo. Et c'est génial. Donc, aujourd'hui, je vais appeler des clubs pour passer des détections. Donc, je vais faire votre job. Ce que toi, tu es censé faire, je vais te montrer comment le faire. Pas à pas, A plus B plus C pour arriver jusqu'à Z et ensuite faire en sorte que tu puisses faire exactement la même chose. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'au bout et je vais te montrer comment trouver les meilleurs clubs à côté de chez toi et en plus de ça, comment les contacter pour participer à des tests ou des détections. Tu veux ça ou pas? Est-ce que tu le veux? Si tu veux, tu me dis oui comme ça, là, tout de suite, là, j'y vais, là. Ok, on continue. Alors, moi, je te dis à tout de suite. Ok les gars, salut et bienvenue sur Football Evolution. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous envoyer du lourd. Je vais appeler des clubs pour leur demander si on peut faire des détections. Donc, dans un premier temps, je vais me faire passer pour un joueur. Et dans un second temps, je vais me faire passer pour un père de famille. Comme ça, vous aurez les deux versions. Soit vous appelez seul de votre coin, de votre propre personne. Ou sinon, vous demandez à papa, maman d'appeler pour vous si vous n'avez pas spécialement le courage. Encore une fois, je sais très bien, plus vous allez avoir peur de vous montrer et plus vous allez passer à la trappe. Donc au contraire, montrez-vous, bombez le torse, vous êtes des bonhommes, les filles, vous êtes des bonnes joueuses de football. Hein, on est là, on avance ensemble. Donc, je vais le faire devant vous en live. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de je vous montre des trucs chelous. Non, non, je le fais en live là devant vous tout de suite maintenant. Il est 17h, à l'heure où je tourne la vidéo, il est quand même 17h30. Ok, donc, je vais aller sur l'application. C'est parti. Donc, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Alors, l'application, donc moi, je vais taper Paris. Hein. Vous connaissez Paris, Paris. Ok, hop. D'ailleurs, vous devez télécharger cette application là, les gars. Foot amateur. D'accord? On pensez bien à télécharger cette application avant, parce que si vous téléchargez pas l'application, ça va être compliqué. Donc vous téléchargez l'application, ensuite vous allez sur Paris. D'accord? Donc vous, forcément, pour le coup, vous allez taper le nom de votre ville. D'accord? Si vous êtes à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, peu importe où vous êtes. Sur cette application-là, vous avez tous les clubs qui sont répertoriés. Regardez-moi, j'ai tous les clubs parisiens. C'est génial. C'est génial. Donc, on va cliquer sur un club. Moi, comme vous savez, moi, je suis un vrai joueur, tu vois. Moi, j'ai les couilles d'appeler, je suis un vrai joueur. Donc, moi, je vais appeler un vrai club. Le PSG, direct. Moi, j'appelle direct Nasser, je lui dis, je suis là, je suis chaud, je suis prêt. Vas-y, quand est-ce qu'on joue? Donc là, pour information, vous avez 7 avenue Kennedy, Saint-Germain. Donc déjà, vous avez l'endroit où vous pouvez trouver le club. Ensuite, là, vous avez les équipes. Donc, ce qui est bien avec les équipes, c'est que là, vous avez toutes les informations en fonction de votre âge. Donc, ils ont U12, U13, ils ont U14, U15, U16, U17, U18, U19. Je me fais passer pour quel âge, les gars, là? Je me fais passer pour quel âge? Pour quel âge je me fais passer? Allez, vous savez quoi? Je vais me faire passer pour un U18. U18. En plus, regardez ce qui est bien, c'est que là, on le voit. Donc, eux, ils ont une nationale 19. Donc, on sait que déjà, ils ont une U19 nationale. Ils ont une U18 R1. Là, ici, ils ont quoi? Un U17. Ils ont une U17 nationale, U16 R1, U17 régionale et U17 régionale. Ok. Bon, bref, donc là, si vous réfléchissez bien. Ah mince, attendez, je vais remettre Paris, excusez-moi les gars. Vous allez pouvoir faire ça avec la même équipe. Hein. Regardez là, j'ai pris Paris, mais on va prendre, je sais pas, c'est quoi cette équipe Paris 15 là? C'est Sébastien, équipe. Très bien, ils ont une équipe libre et ils ont quoi comme équipe? Ils ont une senior en 3ème division. Ils ont ancien. Bon, après ça, c'est chelou ça. Mais bref, voilà, ils ont une 3ème division en senior. D'accord? Donc après, c'est à vous de chercher les bonnes équipes. Hein. Je vais pas faire toutes les recherches pour vous. C'est à vous de vous creuser un petit peu la tête. Donc, on va rester dans Paris Saint-Germain. Comme je vous ai dit, moi, je suis
Je suis chaud, donc du coup, je vais directement au PSG. J'appelle directement Nasser. Nasser, il est très bon parce que sinon, je vais l'embrouiller. Donc, équipe, on dit que je suis en U18. Okay, donc, on voit, on prend quand même les informations parce que vous n'allez pas appeler pour dire madame ou monsieur, je sais pas. D'accord, donc comment vous savez qu'il y a une U19 nationale et vous savez qu'il y a. Donc, moi, on va dire que j'ai 18-19 ans. Je vais leur dire ça, que j'ai 18-19 ans et que j'ai vu qu'ils avaient une R1. En régional et une U19 NAS. Voilà. Ensuite, je vois que ici, je vais cocher sur terrain, donc ils ont plusieurs terrains. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est contact. Et regardez-moi cette page, elle n'est pas magnifique, elle est magnifique. Donc, on a le fax professionnel. Donc, ceux qui veulent envoyer leur CV, vous envoyez directement vos CV au fax, là. 01 34 51 82 73. Ensuite, il y a un numéro de téléphone. Téléphone professionnel, national formation. Oh là là, c'est qui ça? Et ensuite, là, vous avez encore un email professionnel, téléphone professionnel, téléphone professionnel. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Je vais les appeler là tout de suite. Je vais les appeler là tout de suite en live. Donc, et je me fais passer pour quoi? Pour un daron ou un joueur? Je me fais passer pour un père de famille, une mère ou je me fais passer pour un joueur? Dans un premier temps, je vais me faire passer pour un joueur. Ok? Je m'appelle comment? Eh les gars, je le fais pour vous. Hein. Je le fais pour vous. Et franchement, je vais pas vous mentir, je vous jure. Je vous jure que j'aurais aimé avoir cette vidéo à votre âge. Sur la... J'allais dire sur la tête de ma mère, mais bon, ça y est, j'ai passé l'âge pour dire des conneries comme ça. Mais en tout cas, je vous jure que j'aurais aimé avoir cette vidéo-là. Alors, du coup, téléphone professionnel, je vais cliquer dessus, bam. Voulez-vous vraiment appeler ce numéro? Bien sûr que oui, je vais l'appeler. Là, sur mon téléphone, il y a marqué Paris Saint-Germain, les gars. Hein. Je me fais passer pour un joueur, Gigi. Hein. Je me fais passer pour un joueur, 19 ans. À mon avis, ils ont tellement d'appels que ne doivent même pas répondre. Après, il est 17h30. Hein. Vous savez, les fonctionnaires, en général, c'est compliqué avec... Batolila Franck est actuellement indisponible. Batolila Franck est... Laissez un message après la tonalité. Batolila Franck est indisponible. Merde. Bon, bah ça, c'est pas bon. Ok, je repars sur l'application. Alors, je reprends ma capture d'écran, hop, vidéo, ok. Bon, bah déjà, le premier téléphone, déjà, les gars, il était pas bon. Ensuite, appel professionnel SAP, féminine U19, association nationale, association. Peut-être, c'est peut-être intéressant, ça. On va appeler celui-ci. Ok, les gars, là, j'ai appelé l'association. Bonjour, bienvenue au PSG Association. Vous souhaitez avoir des informations sur le PSG Association? Tapez 1. Vous souhaitez avoir le service administratif? Tapez 2. Le PSG Association vous remercie de votre visite. L'association, c'est tout notre association, on s'en fout. Je suis même pas sûr que l'association ce soit intéressant. Bref, en tout cas, j'ai le numéro d'association, si vous voulez, il est là, il est marqué. Bref, non, ça c'est pas bon. Ouais, vous savez quoi, on va lâcher l'affaire avec le PSG là. Il est quelle heure? Il est 17h30. Il faut vraiment que je speed parce que sinon ça va être trop tard. Ok, je repars sur l'application, les gars. Je repars sur l'application et on va faire un autre club. On va faire un autre club vite fait parce que sinon je vais pas pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Au pire, je la ferai demain en journée. On va prendre le Paris FC direct. On cherche pas. Donc, ok, Paris FC, Orly, génial. Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Paris FC? Paris FC, ils ont une U14, R1, D3, D4, U15 régional. Ils ont une U17 NAS, U16 R2. Ensuite, ils ont une U17, U16 libre. C'est quoi ça? Ça doit être la district. Et en senior, ils ont une Ligue 2, N3. Oulala, ouais, c'est bien de se parler là-bas. Oulala, c'est intéressant Paris FC. Ok, donc ça, c'est intéressant. Nous, on va se faire passer... pour U16, allez, on va partir en U16, U16, U17 NAS, d'accord, U17 NAS et U16 R2, voilà. Donc on va dire qu'on a 16-17 ans, et soit on joue en R2 ou en National, National 17. Ok, c'est parti, terrain ici, et contact. Donc on a Paris FC, contact ici, mail officiel, donc voilà, vous pouvez toujours envoyer votre CV, si vous avez un CV, vous pouvez toujours se les contacter. Et là, téléphone professionnel.
Alors moi les gars, hop, j'appelle. Vous êtes bien sur la messagerie du Paris FC. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Merci de remercier. Ah, il est votre 17h. Appel. Les horaires d'ouverture. 30 pour moi. Nous sommes également joignables par mail à contact@parisfc.fr. Paris FC, bon, c'est mort les gars, là j'ai fait une tentative, c'est mort. Vous savez quoi, je vais la refaire, je vous promets que je vous refais cette vidéo. Je vais le faire, mais uniquement si là dans les commentaires, vous me dites oui fais-le, oui fais-le, oui on l'a vu la vidéo, oui on l'a vu la vidéo, oui on l'a vu la vidéo. Donc, la section des commentaires, faut la bombarder. Si j'ai pas au moins 300 messages là, laissez-moi tranquille. Et je vous promets que je me fais passer pour un joueur qui cherche une détection dans les meilleurs clubs. Avec plaisir, je vais vous la refaire. Et je vais vraiment me faire passer pour un joueur et je vais me faire aussi passer pour un père de famille qui veut inscrire son joueur dans un club, savoir comment on fait, comment on s'organise, etc. Tout ça. Donc je vous le fais, comme ça vous aurez une bonne base solide et vous pourrez postuler dans les clubs, les meilleurs clubs les plus proches de chez vous la saison prochaine. Allez, je vous dis au prochain épisode, faites attention à vous et je suis désolé encore parce que là il est tard, je me prends tard, mais je vous promets de vous le faire.